L'usine Utopie, désormais une réalité. Privés de leur terre depuis plus de 20 ans, c'est ce jeudi 25 octobre 2018 que ces autochtones de Kesheru à Goma ont foulé leurs pieds sur ce site. 15 hectares spoliés par une société. Un bulldozer est passé mettre à terre cette clôture bien bétonnée. Une manière de matérialiser davantage la décision du gouvernant d'Inon Kivu, Julien Paluku Kaungia, qui s'est rangé derrière ces populations victimes. Une liesse est lisible dans les visages de ces populations qui accompagnent la machine dans ses travaux. Une démolition qui prouve du reste l'existence de l'État, dont l'entretemps, le RPA 1755-1628, l'arrêt de la Cour d'appel du Nord Kivu, a remis ces populations dans ses droits.